Bah, on vient chercher notre cadeau. Voilà. Ce que Johnny nous a légué. Voilà. C'est très important pour nous. Ouais, d'être là. Puis c'est un petit peu une boucle qui se referme petit à petit. Quoique elle se refermera jamais. Mais le fait de l'entendre chanter, on va pas le voir, c'est sûr qu'on le verra pas. Mais c'est déjà un beau cadeau qu'il puisse avoir terminé. Qu'il nous fasse un album. Ouais, qu'il nous fasse un album, qu'on puisse écouter ses chansons, sa voix. Apparemment, il avait une voix exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'on a hâte, un peu ému aussi. Ouais. C'est important pour vous, là, vous êtes les premiers dans la file. C'est important. Ah oui, même s'il avait fallu que j'aille pas dans le sud de la France ou qu'il le sorte en Belgique, à Bruxelles, on a arrêté à Bruxelles. Je lui avais dit, il faut qu'on l'ait dès qu'il sorte. Soit qu'on y allait demain matin, à la fenêtre, à Paris, il sortait à minuit, donc on a dit, ben, on part après le taf et puis on va aller le chercher. Hein. Ah ouais, sérieux, on l'a là, putain, c'est impressionnant. On s'est arrêté dans un concert là, c'était un truc de fou. Ouais. Tremblement, moi je tremblement. Le cœur qui s'est mis à battre, très vite, les jambes qui sont mises à trembler. Comme si, quand je rentrais dans un concert, pareil. Pareil. Ah ouais, non mais vraiment. L'euphorie après, quand j'ai descendu les marches, je ne voyais plus personne. On voyait plus personne. Je rentrais dans un concert. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, donc les mêmes émotions que quand on allait voir Johnny sur scène. Ouais. Bon. Là on descend, mais... Là je redescends un peu, C'est quoi la suite alors? Là on part à Marne la Coquette, on va aller écouter l'album devant la barrière. Merci beaucoup.